Il fait beau aujourd'hui. Hein? T'as pas de bruit? De quoi? T'as pas du bruit? Je suis en train de faire des... Tu vois, d'avoir gardé ça en verre, ça a été une très très bonne idée. Oui. Tu veux voir ce que je fais? Oui. Je vais te montrer ce que je fais. Oui. Alors, je coupe un plastique. Dur. D'accord? Je perce un plastique dur. L'autre fois, Morissette m'a demandé pourquoi j'achetais ça. Je prends un sèche-cheveux. Enfin, non, c'est pas un sèche-cheveux. Une thermique. Oui, si vous séchez les cheveux avec ça, vous risquez de ne plus avoir des cheveux de votre vie. Et vous voilà avec une perle en verre. Voilà, vous avez vu? Brillante. Pardon. Et oui, elle ne brille pas, c'est parce que je bouge. Oui. Voilà. Donc là, je vais faire plein de petites perles comme ça. C'est pour monter avec un... Je te montre encore une fois. C'est vraiment facile. Alors, c'est que je vais les colorer. Alors là, je les colore après, d'accord? Alors ça, c'est toujours chiant à remettre. Donc... Voilà, normalement ça va être. Quand il fait chaud. Voilà. Là, elle est très belle. Voilà. Voilà une perle. Donc, le trou est là. Et voilà la brillance. On dirait vraiment, regarde, que c'est du verre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait les perles en verre. Les petits gars. Donc, j'en ai plein. À faire, j'en ai plein. Et là, je crois que je me suis trompée parce qu'en fait, ça, c'est le plastique rétractable, mais je crois que c'est pour emballer. Ouais, je me suis plantée. Tu sais, c'est pour mettre autour d'un tuyau ou pas. Par contre, ça, Morissette, je pense que ça va te servir à toi. Ouais. Tu vois, celui-là, si tu veux. Ouais. Et celui-là, tu veux le mettre sur une toile. Oh, il est mouillé. Ah. Mais... Là, je vais le prendre l'autre. Attends, bouge pas. Ah. Je vais prendre celui-là plutôt. Et il me faut beaucoup de choses moi, pour mettre dessus. Mes petites fesses. Oui. Donc ça, tu prends, tu vois, tu vas le mettre par exemple autour de ça. Tu chauffes et je veux faire un essai. Tu sais que j'adore ces choses. Je sais pas si... Mais là, ça va rester après, tu peux plus le lever. Tu sais, que ça fasse un peu... Manchon. Ouais, je sais pas. On va voir. Tu vois, tu veux faire un manche. Voilà. Bon, je l'ai mal mis. Mais là, regarde. Tu vois, ça protège, c'est une protection. Et là, tu as un truc en plastique, nickel. Comprendo? Voilà, ça marche toujours. Celui-là, je le mets juste de l'autre côté.
Sur un marteau, sur un marteau, sur un burin, sur un... N'importe quoi, quoi. Sur les chaussures. Ouais. Je déconne. Bon, ben, je fais celui-là encore et puis c'est bon. Voilà. Bon, je vais faire plein de perles. J'en ai plein plein. Je vais faire plein de petites perles. Et peut-être tu reviens tout à l'heure quand je vais commencer à les colorer. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, voilà, maintenant tu restes tranquille. D'accord. Maintenant je vais faire celui-là, comme ça j'aurai une protection. Elle est encore là? Ouais. En fait, j'avais arrêté. Là, je reviens parce que je veux faire des trucs. Je veux voir ce que ça fait. De... Je le colore d'avance. Hein? Mmh. Et alors? Alors, j'ai mis du feutre. J'essaye avec tout. Ah. Ah ben oui. Alors je veux voir ce qui va être le plus brillant. Je mets pas les deux tout de suite. Non, c'est pas génial avec le feutre. Non, tu vois le rendu est pas. Non, c'est pas super super. Et là j'essaye dessus. Là j'ai fait une petite fleur. C'est bien. Il faut. Non. Ben, tu es en train de me demander si je fais au-dessus et qu'après je repasse un peu la chaleur. Regarde, j'ai des feutres dorés argentés. Je vais tout sortir, tu vois. Et je vais quand même tenter là-dessus, moi. À un moment donné, quand je suis lâchée, vaut mieux pas s'approcher parce qu'il y a de grandes chances que je te crame pour rester. Allez, à plus. Si jamais il t'arrive un truc, les gens ils vont dire oui, oui. Non, mon père, je te fais rien. Il fait bon là. Hein. Dommage que si la mer elle avait été très calme à un lac, j'y serais allée me baigner. Non. C'est dommage. Bon, ben tout ça, c'est pour toi. Oh. Eh oui. Rivière. Bah. Alors, j'ai essayé plein de choses. Tu sais, pour colorer. J'essaye vraiment plein de choses, et feutre, crayon, stylo, encre, ça tient pas. Par contre, la poudre, une espèce de poudre de mica, je suppose. Je ne vais pas trop m'avancer parce que là, j'ai pas de... Ça m'a l'air d'aller. Alors, je viens d'en faire plusieurs. Bah, tu tombes pile poil, dis donc. Si je t'avais appelé, j'aurais pas mis ça. Et là, maintenant, tu vois, j'ai fait donc... Que d'un côté, le côté qui est un peu machin. Et puis on va voir. Hey, regarde, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde comme c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Ça brille là, non? Mmh. Ouais. Au départ, c'est mat. En fait, je crois que le mica, c'est bien. Et tu sais quoi? J'ai des poudres qui brillent plus. J'ai les vraies poudres de mica, paillettes, tout ça. Oh là là, ça me donne... Tu vois, faut pas que je commence. Regarde. Si je commence un truc, c'est mort. Ah, Morissette. Alors voilà. Regarde de près. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est beau. Ouais. Tu vois, ça a bien pris là. Ouais. Ça fait toujours vert? Ah bah oui. Ouais. Mais oui, c'est la même. Bon, ben là, on va dire c'est des blanches, tu vois. Hein? Ouais. Tu vois, pour faire des fleurs. Celle avec
Ah, avec le feutre, ça donne ça. Tu vois, c'est pas concluant, je trouve. Ouais, je trouve. Non, je n'aime pas trop. C'est moins bien. Ouais. Bon, ben, écoute, ça. Mika ou alors machin. J'ai mal au dos. Voilà. Je suis contente. J'ai réussi à faire des pétales. Je vais en faire ça. Je vais faire plein de pétales. Des pétales. J'ai vu tout cramé. Mais j'ai bien dormi cette nuit pourtant. Ah, tant mieux. Bon, ben, je vais continuer. Puis, qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui, ma chère Maurice? Ah, j'ai des trucs de bricoles à faire. Tu vas faire des trucs de quoi? Des bricoles. Des trucs de fil? Oui. Je vais essayer la forme. Merci. Alors, oui, tu t'es rangé, hein? On a tout rangé. Et ouais, c'est bientôt l'hiver. C'est du boulot. Mais oui. Comment ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Alors, au menu aujourd'hui. Menu? Je vais m'amuser à faire des tableaux. Ah. Ah, tu vas pas râler. Parce que cette année, j'en ai pris que des petits. Mmh. Une année, j'en ai pris des très très grands. Et d'ailleurs, je sais même pas où est mon chevalet, mais je vais travailler sur la table. Ah. Je vais faire en 3D. Ouais. Ça. Après, alors j'ai fait des essais de bracelets hyper fins, ils pèsent 3 grammes. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est mal sorti avec les pigments noirs, tu sais. Ouais. Pas génial. Et là, ce que je vais faire, j'ai acheté plein d'accroches pour faire des porte-clés. Voilà. Et donc, ça. Ouais. Ben voilà, je vais le faire. D'accord. Vas-y, elle est toujours en train de mettre des B et des A. Et oui, il hein, n'y a pas que ça. Hein. Non, après, il y a toutes celles-là, regarde. Et oui. J'en ai retrouvé d'autres d'ailleurs, des. Tu vois? Regarde comme c'est beau, elles sont belles hein. Mmh. Ouais, donc je vais faire des porte-clés comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est joli. Bon, oui. Bon, mais faut que tu fasses ça aussi. La truc, faut que tu la fasses aujourd'hui. Parce qu'après il va pleuvoir. Ah, mon africaine. Eh oui, faut que tu la fasses. Ouais. D'abord en premier, je pense. En fait, l'africaine là, tous les ans, je remets une couche. Et cette année, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. C'est qu'elle va avoir une couche de résine UV. Je vais essayer, comme c'est nuageux aujourd'hui, il fait beau, moi, hein, il fait 22 ou 24, je sais pas, et je vais essayer en mettant une couche de résine UV. Peut-être que ça va être plus costaud parce qu'elle est à toutes les intempéries, donc elle prend le sel, elle prend la pluie, l'eau, ça tient bien quand même. Hein. Ah ouais? Non? Et puis elle est belle. Voilà. Donc moi je suis assez contente et je vais voir ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas trop à faire. Ah, j'ai reçu des cheveux noirs et marrons. Je vous les mets là en photo. Regardez, c'est des cheveux idoles. Alors j'aime bien, je vais te faire ça. Puis il y a Mauricette qui tourne la tête. Ouais, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais c'est le montage. Il est un peu folle. Tu es folle? Ça va bien se passer. Bon, ouais. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis en cas, tu pourras venir me voir tout à l'heure. Normalement, il fait beau. Regarde, il y a des gens qui nagent. Ouais. Je regrette, hein. Ben ouais. Attends, j'y vais cet après-midi, hein. Ouais. Maquillée et tout, hein. Bon, allez. Voilà. À plus. À tout à l'heure. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Alors, je vais les mettre en vente. Regarde les petites. C'est joli, non? C'est une toute petite poche comme ça. Ouais. Moi, ça fait un petit cadeau, regarde. Elles sont belles, franchement. Ouais.
Il y en a d'un peu plus grosse, regarde celle-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu récupérer de tout ce que j'ai fait, puisqu'elles sont toutes nasses. Ah. Mmh. Malheureusement. Et voilà. Donc, c'est joli à porter sur une broche ou quoi. De toutes celles que j'ai faites, t'as vu? Mmh. Bon, je vais les mettre en vente. On va les mettre à 5 euros. Et 7 euros les broches. Voilà, si ça vous dit, un petit cadeau. À tout à l'heure. Coucou. Hey. Hey, hey. Regarde ce que j'ai mis là-bas. Hein? En fin de compte, les tableaux, je les ai pas faits. J'ai plus envie de les faire. Voilà, donc j'ai fait les portes. T'as vu les gros? Ouais. J'ai retrouvé ça, la boîte là. En fait, je me rappelais plus. Hein? Mais j'avais acheté plein de petites choses comme ça, tu vois, regarde. Oui, je vois. Ouais. Et c'est super parce qu'ils sont vachement forts, tu vois. Parce que je me suis dit, plutôt que de tout raccrocher avec des trucs bidons, j'ai acheté vraiment tout un lot. Et ça sera bien aussi pour toutes les pièces que j'ai en résine que j'ai faites. Tu sais, les bleus ciel, les turquoises, les verres d'eau. J'ai fait des tas de pastels super. J'ai une grande boîte où j'en ai fait plein et je me demandais comment le fixer. Et donc, ça peut faire des pendentifs, des trucs comme ça, voilà. Là, pour l'instant, voilà, vous avez votre petit. Oui, j'ai du mignon. C'est vrai? Ouais. T'as vu? Ouais, ouais. C'est super. Joli, ouais, ouais, ouais. Donc, si vous trouvez votre lettre, là, il y a le Q, là, il y a le B. Je trouve que c'est joli. Normalement, c'est vrai, je vends pas des trucs comme ça, normalement. Mais là, je les ai faits, et puis avec... avec les fleurs, je trouve que c'est vraiment joli. Ouais, c'est très joli. Ah, ouais. D'ailleurs, j'en ai un pour toi aussi. Ouais, 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 j'en veux un. Ça, tu pourras. Ouais, ouais. Voilà. Et les gros, moi, je pense que ça s'adresse plutôt si vous avez une clé de garage ou un truc comme ça que vous laissez dessous. Si vous avez peur de perdre votre porte-clé, vu la taille. Ouais. Ça va. Ou pour mettre sur un sac à dos. Ah oui. Ouais, ouais. C'est vrai, pourquoi ouais. Je dis automatiquement les clés. Ouais, un sac à dos, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous vous appelez avec un B. Commence par un B, par un A ou par un E. Et puis si vous vous faites régresser, ouais, vous pouvez vous battre avec ça. C'est comme les... C'est une arme. Les bracelets, comme je dis, en cas de blessure, vous prenez l'arme comme eux, d'accord, et vous tapez. Ça veut dire que je suis une violente. Non, je ne suis pas une violente. Mais par contre, j'ai fait me défendre. Mmh. Voilà. Bon, ben écoute, c'est tout. Je continue à faire ça. Et voilà. Tu fais quoi, toi? Ouais, moi, je fais la magie. Ça, ouais. Je te donne un coup de main quand même. Pour ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, ben je continue, je te laisse vaquer à tes occupations. D'accord. Allez, moi je continue ça, puis je rentre, il commence à faire un peu fou. Ouais, c'est vrai, oui, et oui, et oui. Il y a du monde dans l'eau. Il y a des gens dans l'eau, ouais. Alors, je viens de finir deux volumateurs. Oh, on dirait qu'il y a le vent. Ouais. Alors, regardez, ce sont les nouveaux cheveux idoles. Mais oui. Mais j'attendais que tu approches. Mais non, mais oui, oui. Ouais. J'approche, mais après, je vais te couper. Donc, je te coupe. Oui. Hein, non, voilà. Non, non, mais ça va, regarde. Marron. Ça, c'est une nouvelle teinte. Hein. Elle n'existait pas avant. Et... le noir, ou alors, en fait, de noir, c'est marron très, 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 très foncé. Ouais, c'est noir quand même. Tu trouves noir, toi? Bon, je pense. Hein. Voilà, en fait, il y a les deux là. Alors, ce sont des 36 pouces. Je vais plutôt vous les montrer en étant debout. Alors,
Ah, ça rend mieux là, non? Alors? Super bien. Ouais, c'est bien. Quand je vais... Je suis trop près? Non, genre comme ça, je fais. Ouais, c'est parce qu'en fait, il faut la clarté derrière. Tu sais pourquoi? Pour justement... Pour bien voir les teintes. Normalement, il vaut mieux que tu te mettes du côté là. Je vais ouvrir la teinture. Attends. Ah. Regarde. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup. C'est surtout pour le marron. Alors? Mais oui. Voilà. Là, on va mieux. Dès que j'ai l'occasion, je m'assois. Voilà. Nous sommes dimanche, donc j'ai fait que cela, ce matin et tout. Je voulais faire les longs, les blonds, parce que j'ai des blonds de 36 pouces, j'en ai commandé. Bon, l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont mis 3 boules du jaune doré et un seul en blanc polaire blanc. Et ça m'embête parce que moi ce que je voulais c'était tous des polaires. Voilà. Tiens, j'ai même pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. Voilà, ben, c'est tout. Bon écoutez, c'est bon, je vous souhaite de passer un beau dimanche. Là moi je vais faire un gâteau là maintenant. Hein, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie, ouais, Maurice? Ouais, ouais, je te fais un petit gâteau? Oui, d'accord. Allez, je vais faire un petit marbré au citron. Ouais, super. Voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous et puis je vous reprends sans doute demain ou après-demain en fonction de ce que je vais faire. Voilà, voilà. Bye à tous. Bye bye. Bon dimanche. Bon dimanche. Je savais qu'elle allait faire une connerie. Attention. Bon ben voilà. C'est fini aujourd'hui. Pour aujourd'hui dimanche. Alors cette fois je fais les vidéos toute seule, Morissette n'est pas là. Alors là je viens de finir les cheveux, j'ai fait donc une coloration marron glacé, c'est je crois. Donc j'espère que ça va bien le rendre parce que j'en ai plusieurs. En fait j'ai plusieurs volumateurs qui sont la même teinte, c'est un marron un peu cuivré et c'est vrai que les clientes c'est pas tellement la teinte qu'ils veulent et tout, donc j'ai décidé d'en colorer certains en les faisant marron glacé ou marron chocolat. Voilà, donc j'ai fait celle-ci et on va voir le résultat. J'ai laissé poser une demi-heure, j'ai fait juste que les racines et j'ai tiré un petit peu sur les longueurs. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, si jamais je trouve que c'est pas génial, j'ai demandé à Morissette de m'acheter 2 boîtes encore de colorant. En cas, je la ferai complètement, voilà. On verra, mais je pense qu'elle sera à même de plaire. Elle est très longue, elle fait 28-30 pouces celle-ci. Et franchement, elle est vraiment jolie. Hein, ouais. Il y a une bonne densité de cheveux, ça suffit amplement si vous avez des cheveux de cette teinte. Voilà, sinon vous pouvez vous rajouter si vous voulez plus foncer en noir. Voilà, je vous montre ça. Dès que c'est fait, je vais la faire sécher dehors et puis je vous amènerai avec moi. Là, pour l'instant, j'ai pas rincé encore. J'ai encore 5 minutes, voilà. Et après, je rase. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Hey! Alors, j'ai pas fait tout. C'est surtout, au-dessus, tu vois. C'était pas mal, non? Ouais.
En fait, elle était vraiment très très cuivrée, tu vois. Mais sur la longueur, voilà, c'est ça que je voulais, tu vois, les racines. Mmh. Les racines foncées et... Ouais, ça fait bien. C'est vrai ? Ouais, ouais. Alors, ça c'est une humain 100%. Vous la clippez là comme ça. Ah ouais, ça. D'accord. Voilà, vous la clippez comme ça. Ici, on voit rien du tout, elle est indétectable. Vous faites ça ou alors vous laissez... Tu vois ? Voilà, regarde. Alors ça, c'est une petite frange. Si vous avez, par exemple, les cheveux longs, vous voulez les couper. Vous voulez pas les couper, pardon. Hop, vous clipez ça comme ça dessus. Vous voyez ? Regardez. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça donne. C'est pas terrible avec ta... ça remonte vachement. Mais bon. De quoi ? Non, mais là. Vous... Oui, c'est parce que tu as le chignon j'ai derrière. Pas fait de brushing. Non, mais tu as le chignon. De quoi ? C'est surtout parce que tu as le chignon derrière. Donc ça s'aplatit pas. Tu ah vois ? Oui. Eh oui. Ah oui, non, mais à la limite, voilà, c'est voilà. Même bien. C'est pour ça que je t'ai dit ça. Le chignon, non ? Oui. Non ? Oui. Tu es bien. Je ne te comprends pas. Bon. Voilà. Alors j'ai pris cette tête là que j'ai faite, mais regarde. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? C'est pas mal. Nickel, quoi. Bien sûr, les reflets dorés, c'est ouais, pas ouais. Naturel. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait vraiment naturel. Je voulais juste enlever un peu trop le cuivré à la racine. Mmh. Voilà. Donc je suis contente. Ben, ça ouais, ouais, ouais. Bien travaillé. Bien. Il a bien travaillé. Alors j'ai acheté. Ouais, tu seras payé ce mois-ci. De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? T'as bien travaillé, tu seras payé ce mois-ci. Putain, j'aimerais bien me faire une paye. Pas de mal à veille. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je te présente Roger Jean. Roger Jean. C'est mon escargot de compagnie. Il est plus joli ? Ouais. Roger Jean. Donc, qu'est-ce que t'as, Roger Jean, là ? Je sais pas bien, t'as des petites catastrophes. Voilà, t'es tout sale. Alors, ma fille, quand elle était petite, je voulais pas au début qu'on ait chat ou chien, parce que je travaillais beaucoup et on n'avait pas le temps. Alors, je lui ai dit, tu peux adopter un escargot. Elle avait adopté un escargot qu'elle avait acheté, Roger. Elle avait appelé Roger Jean. Elle le prenait, il ne rentrait pas la tête ni rien. Elle a eu tout petit comme ça. Quand elle prenait le bain, elle avait Roger Jean à côté, il rentrait dans la baignoire, elle le mettait en dehors et tout. Il a vécu longtemps, hein, le petit escargot. Bon, ben c'est bon. Maman Lucette. D'accord. Hein? Comme ça, elle est bonne, je vais la mettre. Alors, j'ai acheté des gros rouleaux. Je vais les recevoir. Et en fait, je vais faire des très très gros rouleaux, tu sais, pour que ça fasse vraiment l'ondulé, beaucoup de volume et tout. Je trouve que ça sera pas mal, non ? Oui. Voilà. Bon, je vais rendre la liberté à Roger Jean. Merci.